Alors, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est Josué Boloa. Maman Francine de la Belgique, grand merci à vous pour la confiance que vous nous donnez. Je suis très ravi. Voilà, dans le cadre des religions, Josué Boloa vient encore de vos petits écrans pour donner aussi sa contribution, ses analyses par rapport à ce qui se passe dans le monde chrétien, dans le corps du Christ et surtout dans le monde musical, juste dans les chrétiens, n'est-ce pas? C'est à la une. Je vais vous balancer au moins deux clips. Ce qui se passe ici, donner aussi mon avis, n'est-ce pas? Mon point de vue, ma réflexion, ma manière de voir les choses en tant que Congolais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que aussi chrétien. Comme nous savons que le RDC, la République démocratique du Congo, est remplie de chrétiens. Voilà. Comme vous savez, c'est le sujet dossier le pasteur Lord Lombo. Le pasteur Lord Lombo de Philadelphie, n'est-ce pas, est quelqu'un, un homme de Dieu bien, un chanteur, compositeur, un homme public, n'est-ce pas. C'est lui qui nous bénit toujours dans des conférences, à la prédication, avec ses chansons que nous connaissons. Emmanuel. Une chanson qu'ils ont fait, le featuring avec la sœur Sandra Mbouy et son frère Gamiel Lombo. Voilà. Le pasteur Lombo a fait un live vidéo sur Facebook. Et dans ses lives, il a dit ceci en passant. Il a dit ceci: tu es un noir comme la braise. Tu épouses une femme noire comme le séjour des morts. Quel genre d'enfants vous allez faire? Vous allez faire des enfants qu'on n'arrive pas à voir, avec des visages comme la nuit. Yo, tu es un noir comme la braise. Tu épouses une femme noire comme le séjour des morts. Yo, n'importe que séjour des morts à la noire. Quel genre d'enfants vous allez faire? Vous allez faire des enfants qu'on n'arrive pas à voir, avec des visages comme la nuit. Ça, c'est le pasteur Lord Mbongo, n'est-ce pas? Alors, ça fait le buzz actuellement, comme on a eu l'habitude de dire, ça fait le buzz. Le pasteur Lord Mbongo a insulté, il a fait ceci, c'est là. Quelqu'un dit, nous appelons au boycott, à la mobilisation générale contre les concerts du soi-disant pasteur chanteur Lord Mbongo, le 19 octobre à Paris. Nous, la Ligue des défenses noirs africains, réclamons la déprogrammation de sa prestation, tout simplement après les propos nécrophobes. Ça, c'est la réaction de la Ligue de Noirs, tout ça. Et une autre commentaire. En effet, nous allons interdire votre venue le 19 octobre à Paris. Nous mobiliserons la communauté noire, les afro-descendants et les africains pour faire annuler votre concert suite à vos propos déshumanisantes concernant les Noirs. Nous vous disons à très bientôt. Maintenant, c'est avec la Ligue de défense des Noirs africains, le LDNA, que vous aurez à faire et rendre des comptes à Paris. Les nègres des maisons et les traîtres de l'intérieur nous tolérons plus. Cordialement, bienvenue à tous. Ça, c'est la lettre, les tweets, réactions de différentes personnes par rapport à ces propos que notre bien-aimé le pasteur Lord Lombo, que nous aimons, que nous saluons, c'est à passant, et il a dit. Alors, peut-être vous ne savez pas, c'est déjà dans les réseaux sociaux, mais suivez d'abord avec la correction de la régie, c'est que le pasteur Lord Mbongo a dit. Suivez. Regardez quand même vos teints. Toi, tu es noir comme la braise. Tu épouses une femme noire comme le séjour des morts. Mais c'est quel genre d'enfant que vous allez faire? D'ailleurs, des enfants où on n'arrive pas à les voir. Et l'homme, on dirait boutou. Comme on dirait la nuit. Ils ressemblent à la nuit. Son teint, c'est comme la nuit. Non, il faut quand même aussi voir. Il faut voir quand même. Toi, tu es noir. Il faut quand même voir. Elle ne soit pas trop noire non plus. Et tout. Voilà. Quelqu'un de clair, un petit mélange. Voilà. Café au lait. Voilà, tu vois. Et puis, vous aussi, quand vous vous mariez. Regardez quand même vos teints. Toi, tu es noir comme la braise. Voilà, vous avez suivi?
Dis-moi, nos amis, ils ont pris juste cet extrait et puis ils ont fait un article sur ça, disant que le pasteur Lodumbonga a humilié et puis a insulté la race noire, ok? Mais sur ce, comme c'est un serviteur, un homme de Dieu, il n'a pas pu rester silencieux, il était trop attristé et il est encore revenu sur les mêmes réseaux sociaux, sur Facebook. Il a fait le Facebook Live pour s'excuser, demandant pardon à toute personne qui était lésée à ses propos. Suivez. Bonjour tout le monde, ici votre frère Lord. J'ai reçu beaucoup d'appels, de messages de mes aînés, de mes pères, de mes pasteurs, des amis et même de moins âgés que moi pour me parler de leur indignation par rapport à la vidéo de moi qui circule dans un moment de live, un live qui avait duré une heure ou un peu plus, mais juste une séquence d'une minute à peu près a été partagée. Réléant avec pardon des propos que vous avez écoutés vous-même. Je viens vous présenter toutes mes excuses. Je n'ai pas dit cela pour critiquer ou dénigrer la race noire. Je parlais même pas de race. Je parlais de couleur de peau. Il y a certainement une petite nuance, mais aux yeux de plusieurs, ça revient même. Et j'aimerais juste vous dire pardon pour cela, vous demander sincèrement pardon. J'espère que vous trouverez la force et la gentillesse de me pardonner. Je suis moi-même noir et fier de l'être. J'ai des parents noirs. Ma mère, d'ailleurs, que je considère comme la plus belle femme du monde, est une femme noire. Mes frères et sœurs sont noirs. Donc j'ai des amis noirs. Et dans toute la communauté où j'évolue, ceux qui écoutent le plus ma musique ou mes prédications, la plupart des églises où je suis invité, c'est les noirs. Et donc, en aucun cas, j'ai voulu blesser les noirs. Je veux pas me justifier ou rentrer sur ce que j'ai vraiment voulu dire. Il est vrai que la vidéo avait été prise hors contexte. Mais je veux juste faire cette vidéo pour vous demander vraiment sincèrement pardon. En tant qu'enfant de Dieu et surtout en tant que pasteur, nous avons le devoir d'être des modèles, en tout, en parole, en acte, en pureté, en tout. Et je dois avouer que moi-même, quand je regarde cette séquence, et que je ne me mets pas à ma place, mais que je me mets à la place des autres, qui peuvent regarder sans peut-être connaître tout ce qu'il y a autour, je trouve que les propos qui ont été dits, de ma part, de ma bouche, étaient des propos légers, et pas du tout digne de mon rang, ni de ma fonction, ni de ma race. Je vais vous demander pardon par rapport à ça, espérant que vous trouverez la force de me pardonner. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que c'était dit comme une blague, déplacée, une sale blague. Une blague qui n'avait pas lieu d'être. Mais je ne le disais pas pour offenser, même si ça a été perçu comme ça. Donc à vous tous, je vous demande de me pardonner et je ferai l'effort dans l'avenir de continuer d'être un vrai modèle, parce que sur ce coup, je ne l'ai pas été. Et j'espère que pour vous et moi, il y aura des meilleurs jours devant. Merci infiniment et encore une fois pardon. Merci. Voilà, merci beaucoup la régie. Vous avez suivi la réaction du pasteur Lord Lombo. Je suis d'ailleurs sur sa face Facebook, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé. Lord Lombo, Pasteur Lord Lombo, Pasteur Lord Lombo. Les propos ont été faits un jour après et puis il s'est excusé depuis hier à 20h. Alors les propos en question c'était avant-hier et hier notre frère, le Pasteur Lord Lombo, s'est excusé sur ça, n'est-ce pas, en disant que au vu de la vidéo qui a été partagée ces derniers temps, quoique hors de contexte, je vous demande avec humilité d'écouter mon petit message. Et surtout, aidez-moi à le partager.
vous avez suivi ce que je vous ai fait voir, n'est-ce pas, son message d'excuse et de pardon avec un cœur vraiment trop brisé. Je vous signale que le pasteur Laurent Bongo a un concert le 19 octobre à Paris. Il a aussi un autre concert, n'est-ce pas, le 23 novembre, n'est-ce pas. Il dit qu'il ne sera pas seul avec la sœur Kassika Lalanchipi et la sœur Denamwana seront aussi de la partie, sans oublier le frère Meshach Tumoko, n'est-ce pas. Donc, c'est ça un peu le programme de notre bien-aimé le pasteur Lord Lombong à Paris le 19 octobre et puis le 23 novembre à Bruxelles. Sur ce, le pasteur Lord Lombo demande ses excuses, demande pardon à toute personne qui a été lésée par ses propos. Selon lui, il dit que c'était hors du contexte. Je vois qu'il y a un peu de joke après un moment donné, bon, un peu de joke là, qui par ses conneries, par ses blagues et ses propos a vraiment humilié surtout la race noire, n'est-ce pas? Alors je vous ai dit, je vous ai fait voir la réaction des ligues de défenseurs de noirs. Alors ils tiennent à pouvoir mobiliser les gens pour boycotter le concert de notre frère Lord Lombo. Voilà, quand cela ne tienne, jusqu'aujourd'hui, ça crée un peu le buzz, les discussions dans le corps des Christ. Je suis dans la famille d'adoration. Émile, le frère Émile ainsi que le frère Valérie, ils ont posté ça. Je lis vos commentaires par rapport à ce que le pasteur Lord Mong a dit, n'est-ce pas? Après avoir posté ça, voilà ce que les uns disent. Ça, c'est une insulte à Dieu. Comment un serviteur de Dieu peut avoir un langage insultant et diminuant sa propre race comme ça? Il n'y a plus encore des choses enseignées à l'Assemblée pour le salut pour qu'on commence avec de tels propos. C'est un mécontentement que nos bien-aimés de la famille d'adoration ont dit. Quelqu'un aussi a écrit, Papa Valérie, il reste à vérifier si c'est réellement lui qui l'a écrit. Quelqu'un d'autre a écrit, oui papa, les Congolais sont forts avec de fausses informations. Quoi encore, un autre commentaire, ça fait buzz sur les réseaux sociaux, il a même demandé pardon, la bouche là il faut la tourner cette fois avant Yakoloba ngana limbisiye, mais prochainement avant Aloba Akanisa. Voilà, donc ndeleki ebele mikolo oyo epai na ba oyo bazo telemela liboso, tout ça on dirait ba ebili sous tele pourquoi na bango kote le maliboso ya bato. Ça c'est la réaction de notre bien-aimé ndeko sous Valérie Azongali susu ndeko fifi biso se fala moyen te vraiment mais ezan ndeko na biso ya mwindu lokola biso awa to sala boni en plus aza pasteur. Voilà. Et ça, c'est juste la famille d'adoration ici à Cape Town. Il y a une plateforme pour les chrétiens, les musiciens, ils sont là, pour se discuter en gros. Quand cela ne tient, ils appellent à bande de Komsoussous, dans la plateforme, même dans le corps du Christ, ça fait de buzz par rapport à ce que le pasteur Lord Mong a dit comme propos, n'est-ce pas? Apparemment, il a dénigré la race noire. Quand cela ne tient, le pasteur a demandé pardon. Boloa, quel est votre point de vue? Ngana Lobani Bandeko. C'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme des dieux, appelé par Dieu. Mais c'est un homme. Lord Lombo, Saza Moto, Loko Langanayo. Ce qui est bizarre est que, tu vois, nous les hommes, c'est ça notre nature. Qu'on se les dise entre nous, c'est ça notre nature. Nous oublions facilement les bienfaits des gens, mais lorsqu'une erreur survient, pasteur Wana, quel pasteur. Je vous dis, si vous entrez dans la page Facebook, la page de bien-aimé le pasteur Lord Mongo Bokomona, le zin insulte, pasteur Ndenge Nino Yazo Salaboye, non, Ezalakate, tout ça, les gens réagissent. Mais chacun est libre de donner son point de vue, mais pour mon point de vue, moi, personnellement, j'accepte ce pardon parce que la Bible dit que nous puissions pardonner. Ce qui est vrai, aza mutu, a cinq excuses, to limbisae. To bosseni nzembo Emmanuel et Pambo l'arabiso. To bosseni ba prédication à Tine de l'arabiso. To bosseni nzembo ya loba, ngana yoka, soki yote, nani mosusu. Un frère, au bosseni yango, c'est un frère bien, humble, humiliant, n'est-ce pas, tous les rabbins, la loi, le pasteur Moïse Mbillé, voilà. Donc, moi, phrase, c'est vrai qu'Azamoto, tu limbi ça.
C'est un nom public. Il est un don pour le corps de Christ. Il est aussi un don pour les Congolais parce qu'il défend aussi la couleur de la musique chrétienne, la musique dans l'ensemble et particulièrement la musique chrétienne au monde, aux Africains, aux Blancs, parce qu'il parle un bon anglais. Non seulement c'est un artiste, c'est aussi un serviteur qui fait un bon travail au niveau de la RDC Wana. Si vous avez un propos dans le bien, est lié. Parce que c'est un homme privé, c'est normal qu'on doit le dire. Mais dis-moi ce que j'ai aimé, cette humilité que le pasteur ou les frères Lord Lombo a eu de passer dans le petit écran ou dans les réseaux sociaux pour s'excuser. N'est-ce pas? Ça fait très mal, bien sûr. Mais toi aussi, tu fais le mal. Tu injuries les gens. Tu fais aussi des gaffes. Oh, et mon anakate, parce que aux allons public, aux allons nous ramener tout ordinaire. N'est-ce pas? On va maintenant le lapider à cause de ses propos. On va maintenant l'insulter. Toi, tu n'es pas satana. Toi, tu es kayonani. S'il a demandé pardon à nous, Bato Bazala qui est offended, offensé, et pourquoi ne pas le pardonner? Quelles conséquences? C'est à lui avec Dieu, ma conséquence. C'est vrai, il a été pardonné. Les conséquences, c'est Dieu qui saura comment régler avec lui. Tu vois, ça, c'est mon avis. Pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon bien-aimé que tu me souhaites aux Olandanga, frère, aux musiques, aux lingas musiques, à frère Lord Lombo, hein, au Pambo Marana, on peut s'en rendre compte, on a eu bête à un téléphone, on a eu un YouTube, il y a un test à la côte d'Ilita, au Bomango, parce que le frère a juste glissé une erreur de langage et nous voulons le lapider, frère. Alors, sauto lapider, est-ce que nous aurons encore un autre frère Lord Lombo, dans la composition de Emmanuel, dans le roi Loba, n'est-ce pas? À Pambo Larabus, on a la chanson de louange, tout ça. Il y en a beaucoup. Et puis avec ses prédications, il y en a beaucoup. Donc, chers amis, frères congolais à la diaspora, partout dans le monde entier, en Europe, en États-Unis, partout au Congo, hein, vous allez en Afrique, le pasteur Lord Mongo s'est excusé acceptant le pardon. J'ose croire qu'il a même dit à Lélie, tu sens quand même qu'il manifeste ses remords, ses chagrins, qu'il ne s'entendait pas que ça pouvait avoir des retours comme ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, nous les médias, nous soutenons et nous acceptons le pardon. Parce que toi aussi qui me suis, il y a des gaffes que tu connais que les gens ne savent pas, tu demandes aussi pardon. Comme il a demandé pardon, il a reconnu ses fautes, c'est un exemple à suivre. C'est un homme humble, nous voyons que... Et puis, on peut sentir que quand il disait ça, intentionnellement, il ne savait pas qu'il pouvait blesser les gens. Pour qu'aujourd'hui, moi, Bolwana, j'ai au 15 minutes, 20 minutes, nana lobelango, yo pour que dans les réseaux sociaux, tu as commentaire ou insulter. Tu peux même pas insulter parce que toi aussi, tu commets des gaffes. Très grave d'ailleurs que ça. N'est-ce pas? Ça, c'est juste ce que tu as hate speech dans l'anglais. Et ça, langage moko insultant, ça blesse, mais c'est pas parce que c'est même pas plus que ce que toi tu fais. Avortement, mensonge, violer, voler, mentir. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas énumérer le péché ici. Le péché, ce n'est pas seulement le mal que tu fais. Le péché aussi, c'est le bien que tu sais, mais tu ne fais pas. Lui, demain, il a dit quelque chose d'une manière intentionnelle. Ça a causé une offense dans le cœur des Noirs, mais il n'a même pas aussi cité quelqu'un. Lui aussi, il est noir. Il a même dit dans son message de pardon, il est noir, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il pouvait avoir un raisonner que les arbres font l'obaboué pour humilier race noire. Non, parce qu'il est noir aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il est noir. Alors, chers téléspectateurs, les amoureux de la musique chrétienne, les amis qui aiment Frère Notre Bien-Aimé Lord Mbongo, moi, personnellement, j'accepte son pardon. Et, mais écoutez, il y a un balassé, mais comme on le dit, il y a un balassé. Alors, quant à moi, s'il faut donner le message au pasteur Lord Mbongo, non seulement lui, à tous les hommes de Dieu, les hommes publics, apprenons que nos paroles, la langue, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 3. Ils arrivent au moins mouké et qu'on renverse. Ils allent voir, tige, elle met mouké, qu'on tombe à zamba moubimba. Contrôlons nos paroles, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien sûr. Sachons ce qu'il faut dire dans nos prédications, dans nos lives, comme moi j'ai dit ça aussi. Peut-être quelqu'un peut être offensé. Ça, les savoir. Donc, contrôlons nos langages, sachons quoi dire quand tu es devant la télé, devant ton téléphone, tu fais les lives, scream, tu fais les lives. Je m'appelle, chers amis téléspectateurs, ben, mourir à Congo Dialogue, qu'on comprenne cela, c'est un être humain, il est encore jeune, il a encore de l'avenir, très, 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 très long, n'est-ce pas? Nous devons quand même le soutenir. Et aux amis de Philadelphie, l'église où je dirige aussi,
Soutenons le pasteur dans la prière parce que ce n'est pas facile en ce temps ici, hein, de traverser en ce moment ici. Je crois que ça doit lui apprendre à bien tourner la langue peut-être cette fois avant de dire des choses, n'est-ce pas? Si toi qui me regardes, tu ne pardonnes pas pasteur Lodumbongo, alors tes péchés que toi tu fais, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6. Si la personne que tu vois, tu n'arrives pas à pardonner, mais tu demandes à Dieu de te pardonner, toi tes péchés là tu fais en cachette. Lui, parce qu'il a dit des propos intentionnellement selon lui, et nous voulons le lapider. Come on, guys. Come on. Chers téléspectateurs, on ne peut pas le lapider. On a besoin de lui, c'est un homme et une bénédiction pour le corps de Christ et pour la RDC. Il défend le couleur, il défend plutôt la couleur de la musique Nalibanda ya Congo. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est renommé, que Dieu a élevé. Nathan Oyasuka Oyo, tout soutenir, il y a erreur à sali, à kotika la peu kozongi la ngote. Mais là, parce que Abimi Sunatele a signé pardon. Acceptons, prions pour lui. Son numéro d'ailleurs est là dans le Facebook, dans sa page Facebook. Tu peux l'encourager avec des meilleurs mots. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas refinger. Il ne faut pas rebattre. Il y a plein de gens qui sont ensemble. Azamoutou, frère. C'est un homme qui vous dit qu'il est angelou. Azamoutou. Aliaka. Foufou. Alors, on a mbetou. Hein? Aliaka, foufou. Ayouka, ape kanda. Vous pensez que tout le bateau est dans la télévision? Non? Vos pasteurs là, qui sont à la télé, là, non, baba angelou, baba tout. Basilika, ape. Ils ont aussi la chair. Vous comprenez? Donc, ils ont la chair. Comprenons. Grandissons. Chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu qui m'écoutent à ce temps ici, grandissons la ma connaissance, maturité peko la. Moi le remuque. Ya oyo salabat ba mon a raté yo bombarango. Osko ya yeba moni pa singi pardon. Oh. Aza pasteur ni na rosa bon yo sikoza mutu. Pas pasteur, pasteur nzaniza et sa grade. Donc pasteur déjà ils a licence poko ta lor donc osum kate. C'est un homme de Dieu. Aza nzo tuna makila lingaka. Un babo takapé, basilika kapé. On a des bons pasteurs, mais on a des pasteurs, mais ils sont des responsables. Des enfants. Pasteur penate a bien, mais ceux qui n'ont pas été irresponsables. On a connu des hommes, comme des gens dans la terre, même dans la Bible. Le roi David, la Bolbara, David a bien acquis. Un bon roi, mais irresponsable. T'as la vie à bananae. Ce sont des exemples. Donc, Montananzan Bazange est louté. L'homme de Dieu n'est pas un ange. C'est un homme. Il a le sang, il a amakila nanzoto. Asilika kapé. À ses carapaces ou bagarre. Donc, l'on a moi conception, tout ça, non, on a bien dans un bidon, c'est que ça. Non, 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 non. Yes. I'm coming, hein. Okay. Just give me a second. Vous comprenez, cher enfant de Dieu. Donc, voilà un peu ma réflexion inspire. Voilà ce que je pouvais dire à notre pasteur. Personnellement, Bolois, je suis derrière toi. Tu nous as bénis à Cape Town avec tes conseils et tes chansons continuent à nous bénir. Nous vous portons dans nos cœurs, vos chansons continuent à nous bénir. Onction zanangwe golonga nangote parce que c'est ni pardon. Et pas que la minogo te kobaxia mais sous davantage. Peut-être sont des attaques. Accepte un peu les réseaux sociaux ou les canons. Une semaine, deux semaines, trop beau ça n'abisso. Mais j'aime avec toi, tu es sorti encore. Les tu tentes par rapport à serviteur de Dieu, monsieur Bamissé Moussous. Oyemi biemba mbe babalobi vaninye. Ngana lobate. Yona linga so le kana media te. Pour mettre les cas papa aux en public. On va toujours parler de toi. Oh. Close. Vous comprenez? Donc, tu es un homme public, on va toujours parler. On va toujours parler de toi. Close the door, close. On va toujours parler de toi, cher enfant de Dieu, cher serviteur. Donc, en résumé, le pasteur est une bénédiction pour le corps de Christ. Toutes ces chansons nous bénissent. Erreur Muketo Bosa na ba chanson na news tout et wana ekpeki ndoki. Alors si tu ne vas pas pardonner le pasteur Lord Mbongo Ozandoki, c'est que tu as salé le gars pour le babiloba le bawana. N'est-ce pas? Mais si tu es un homme, un Congolais qui se respecte mature, un chrétien mature, un enfant de Dieu mature, assigne pardon tout l'imbisa. Pour yo pétan au soum kaka, l'imbisa kaka. A bon attendeur. Salut. Pasteur Lord Mongo, Lord Lombo, on est avec vous. Bandeko à Paris, nos amis des Ligues des Défenseurs de Noirs, je vous conjure d'écouter mon message, d'accepter aussi son pardon, si c'est possible. Vous pouvez venir dans le concert là du 19 octobre, dans quelques jours ici.
Venez, vous le voyez, il dit, il peut se présenter les excuses dans le concert, dans la salle, au lieu de boycotter le concert. Moi, je ne trouve pas que ce n'est pas une bonne idée. Le, en novembre, en Belgique, venez au concert, si peut vous signaler la salle à tête sous pardon à public, dans le podium, à Vayemba. Vous lui dites, au lieu peut-être de propager des messages comme ça, nous voulons continuer les gens que Dieu bénisse. Tu es crucifié pour ne pas rire, mon cas sali. Tu es bon, ça n'a pas Jésus peut pas qui est bon, mais sur quoi quand tu as demandé justifier qui est. Mais Jésus aussi a demandé pardon. Ok? À bon attendeur, salut. Moi, Francine Nguyen, merci pour votre disponibilité. La grande dame Francine Nguyen de Belgique. Prof Bellon, à Katsasot Riva, merci. Prof Mogabien, World Cloud Campus, centre de formation à langue. Et puis, translate, il y a un document français, anglais, anglais, français. Vous contactez, vous êtes connecté dans la prof Bellon, n'est-ce pas? Na bossa ni peli sousou et Francis Bambongo, les bourgeois. Francis Bambon on a Johannesburg les bourgeois ça c'est un frère bien business mouka bien azab kale kota ba property asunga pena pe biso so comprendre na bosse ni peter li susu power nzeta mbila aboya aboya mpia kana defaut power lo mama nzeta mbila avu ya yango wana voilà jusqu'à un prochain numéro un dossier à suivre c'était dossier Lord Lombo. Tous ceux qui font des émissions pour le critiquer, bon, vous êtes libre de faire votre émission, votre analyse. Hein. Mais nous, nous réfléchissons en tant que déjà mature. Il a demandé pardon, acceptons cela. Et puis, continuons, la vie continue. Dès qu'au pas pasteur, nous sommes derrière vous. Vos chansons, moi, je vais continuer toujours à l'écouter. Emma, nanyango ya kokani sanayo, nalikolo hawanase, ponakatia mote mananga, je connais qu'un seul amour. Zambo yandima komi kahaba, komi pesa mobimba, mokonjo ya kukana nyoso, oza nyoso motu ya nangai. Et puis ce qui est curieux, il y a un peu de papo, la lord mon, il y a un peu de chrétien, soit disant chrétien. Il y a un peu de congolais. Dans ma pambo la bina la prochaine.